dangereux. Ce morceau est dangereux. À position. Voilà, bonjour fidèles téléspectateurs de La Pointe, nous sommes là. Doudou Montiri, Moro Ndjambé à la réalisation, notre très chère Judith à la caméra, merci pour la prise de vie. Et nous n'oublions pas aussi comme ça Eric Monfait à l'exploitation de ces programmes matinales. Alors nous allons tout en vous rappelant déjà, vous allez devoir... En fait, tout au début de cette émission, nous allons vous faire revivre l'ambiance d'hier, parce que vous savez, le pasteur artiste aussi, en même temps, Denis Ngondé, il totalise comme ça 40 ans, et surtout lui qui nous avait invité pour essayer comme ça de vivre cet événement en live. Voilà. Donc il a voulu aussi témoigner et surtout démontrer qu'il a gardé le même cap, donc sur le plan prestation, en fait, lui est sur le plan de la prestation plutôt, et il a voulu aussi démontrer, en fait, témoigner son amour et surtout devant les enfants de Dieu qui ont pendant 40 ans supporté et surtout consommé ses produits. Et Denis Ngondé était vraiment un artiste, il était à la hauteur. Il était vraiment valable après 40 ans de prestations. Il est resté le même, égal à lui-même. Alors vous allez vivre cette ambiance. C'était hier, plus précisément ici, Showbiz. Donc nous étions là. Là vous allez découvrir, je ne sais pas si il y avait aussi la sœur Alda Mahunga, Ngonankoy. Nous allons vous expliquer ça. Voilà, là c'est à l'entrée, hein, Moro, Jambé à l'entrée. Et Doudou Montiri, témoin de l'événement, Moro Ndjambé à la prise de vue. Là, c'est le fils de Denis Ngondé, son fils qui est aussi artiste, donc à titre de rappel. Donc, Denis Ngondé a fêté 40 ans naïe, na Moussala Oyo, après Mélan Zambé. Et tout ça qui peut avoir pour vivre l'événement en gros, Showbiz. Hein, donc, il y a un événement en gros. Autant couleur, c'était hier. Voilà. Alors, nous vous laissons suivre ça, Moro. L'extrait, juste après, pour passer à notre sujet du jour. Thank you.
Voilà, c'était le frère Denis Ngondé, 40 ans de carrière, 40 ans de prestations, succès en succès. Et là, vous avez remarqué son épouse qui est venue pour soutenir son mari et féliciter son mari, encourager son mari. Moi, ce n'est pas Embi. Banapé Bayembi. Alors, c'est-à-dire qu'il est au Mingi vraiment, nous connaissons sur le Ndibiso, et au Balandaki, au Bazalaki, puis au Bina Chobez, pour 40 ans. Et à carrière et à frère de Ngondé au bishop de Sakiwana à Nakati et à Makambango. Alors frère la sœur Alda Maunga à Zalaki Piwana, le pasteur Moïse Mbillé et puis à Zalakiwana, bah chante belé bah qui peut copier ça y diplôme et à mérite na ndenge à Salim Moussa naé 40 ans durant le frère de Ngondé a mérité diplôme Moana et on a un souverain d'artiste
Bazali Nzinga na yepona ko encourager le frère de 40 ans de carrière. C'est vraiment à féliciter, c'est vraiment encourager, à encourager. Très bien. Alors, nous allons juste changer les caps pour passer à notre sujet du jour. Mais le sujet en haut, il y a qui nous demande à Trixater Nabisso. Donc, on a trouvé là qu'à debout congolais, hymne national Nabisso. Bah, le coming va s'engager de tout mentir. Soit moi, Zali, Ozonga, Lissoussou, Ozongisa, O continue Nango pour Zalaki dans les tomba mingi. Makambo, comment mina hymne national Nabisso? To sali la rango, to kosali la rango plus tard. Hein? Pour mingi baloba ki hymne nango, eza mingi na futur, hein? Bak ba verbe nango za conjugué na futur. Est-ce que kosali mana présent? Alors ce sont là les quelques questionnements. Et mon rôle jamais habité dans ce malanga zo monate pour na Rick Mofé les autres. Na pesso mbote mingi Rick Mofé si ko na pesso. Na pesso mbote mingi. Alors toko pesso na mbote na invité na biso. Rick Folo zalaki na lisala boni. Merci Neko Doudou, bonjour. Santé za bien. Oui, santé za bien. À part retour na ngai, moi ba malaise à mouke. Je pense que la suite il y a ma condition de vie au Zaïkouna. C'est vrai que moi je suis Zaïkouna Bokoso. Au Kinekikouna. Oui, na Osalikouna, na Salikouna un mois. Au Liekouna. Na Liété, mais na Salikouna un mois. Kofanda Kouna un mois veut dire Osali tout Kouna déjà. Allez, Ozongi Marbeli. Oui, ah oui, na Zongi, aussi na Zongi qui, moi santé, Zaïki bienté. Je pense que Zaïki suite à ma condition Oyo, Zaïki dans Gokouna, il y a un changement. Condition zali malam pendate po yo moko okeyi kuna ozongi kao si ko obazo vivre yango plus de 10 ans kasi yamon de kodudu tout ba chaque jour que non il faut changement ça les ils arrasent le ganté ils en amoutu ya makasi et à l'occasion il y a pas ce moni kuna na lisa là il y a pas si na la compliqué sur le plan sanitaire et dudu dans le baram kolo tout dans le baram kolo tout tango yi son ke ya malamu ezate alors sur le qui n'a pas de détail et ça la biso 3 jours il y a débat il y a malamu ezate. Tout est à refaire et à reprendre. Voilà, monsieur Foucas, quel est maintenant? Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste de Doumonté. Yo, vous allez quitter au Kinaki, la province? Oui, nous allons quitter la province à Kwango. Qu'on a réalisé ça? Bon, nous allons quitter précisément dans le territoire à Féchi. Ils allaient pour un constat, ils allaient amer par le fait qu'on a constaté qu'ils allaient territoire vraiment oublié. Ils allaient enclavés et abandonnés, donc misère. Ils allaient à Kosakanate, doudou. Ça fait mal parce que je n'avais que des larmes pour pleurer. Mais j'étais courageux pour qu'enfin je puisse prendre des décisions, pour qu'enfin, cette fois-ci, ensemble avec ces gens-là, que nous décidions autrement et nous fassions autrement pour les Féchis. C'est difficile, c'est soucié, mais c'est un héritage. Voilà, merci. Ok, c'est bien. Debout congolais, il y a un peu de temps pour décortiquer en haut. Maloubaro et Koumami Awa et Yimbamaka. Tout ça, c'est la rango. Tout ça, c'est la rango. Et au Kokisama, et au Kokisama Lelo, et au Kokisamaka. Alors, tout ça, c'est la rango. Pour nous, nous sommes en haut. Parce qu'il combo ya debout congolais parce qu'il a qui va SMS sur Nzaki. On dit comme ça comme l'abisso la Zaïroise, hein. Ouais, abisso ya Kalawana, Zaïroise dans la paix, retrouver tout ça pépini, nous sommes Zaïroise, voilà voilà. Il y avait de ces personnes. Au Barosenga, doudou mon tire, mais pourquoi ni de songeli. Im na abisso ya Kalate. Parce que monaki ya Kalate dagi madame. Oh, penza ezana mama loba mususu. Et comment m'y prendre, mettre au sol en côté. Alors, nous avons invité M. Ilongo. Est-ce que, d'abord, debout congolais, titre, on a. On a combo, on a. Ça va? Ça cadre? Nous sommes debout, debout congolais. Eric Folo. Ndeko Doudou, merci pour la parole. Déjà, ce qui est le titre, on a debout congolais. Et le binini, tout est le match. Nous avons toujours dans le contexte actuel. Pour le Oyo, debout congolais, wana, tous les gens qui ont le lot qui est dans mon ami. Dans mon ami, ce qui est dans mon ami, sans ami, balé, misa, toi, de konanga, à kobeta, piolo, tokene, kopona. Alors, congolais, c'est le moment, tous à la debout. Parce que, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout
les difficultés, les qui m'a cassé, passé, ils allaient, droit de l'homme, ils allaient à la injustice, et c'est le cas, corruption, et c'est le cas, donc comment ils sortent l'esclavagisme? Esclavage à Moutounini, Moutounini, il y a droit, il y a devoir, hein, ça l'a boyé, son qui s'a boyé, mais ils sont à tout ni, ils allaient à en quelque sorte, ils ont esclavagisme, Moutounini, il y a droit. Alors, ce que tu début comme la titre, il au début comme il y a l'hymne national et l'imbo l'union surtout. Veut dire, tout ça qui n'a qu'à y a indépendance, tout ça qui n'a qu'à y a, il y a qu'on a droit, il y a qu'on a au et c'est auto joie. Alors, les lots oyo, pour la biso, hymne national la biso, et qu'on a consistant dans mon tout yamingi, pour la ma ponami. Ce qui a solo population, au lingui indépendance, au lingui démocratie, au lingui changement, et ya, et ben, il y a ma hymne national, debout congolais. Monsieur Rick Folo. Autour de Bawa, tu es bien à ma ponami, élection, mais c'est quoi dans Mitouni? Un homme qui sous question, vous voyez Mbangwao. Tant que nous avons commandé la vérité de vote dans le mois de septembre, est-ce que Penza, ma ponami, il faut respecter la loi électorale? Ça, c'est une question pour nous, nous évoquons qui élection. Ndekodoudou, c'est moi, parenthèse, moi, Mouké, dans le temps, on a premier, deuxième. Paragraphe, il y a deux bouts qu'on connaît. Question à poser, oui. Réponse n'a rien. Hein? Entre autres, il y a une hymne national. Pour la gala, il y a une hymne national et l'obage surtout. Balobini, il n'y par le sort, eux dans le fort. Il n'y par le sort, les lots congolais dans la sort nini. Hein? En prise, il y a Kabylie. Domination, voilà, ils en abusent. Sortons dans le haut, tout ça, on va aller le haut. Hein? Ils en abusent. Moi, quand j'ai rébusso, on a abusé. Bon, j'ai rébusso, mais bon, j'ai ré malamou, t'es. Ce qui n'a pas le loi décidé que, babité en septembre, ton acquis rapport à ODEP, 600%, on a fait 5 et 20%. C'est encore hypothétique. Tu éviter est-ce que c'est là ou est-ce que c'est là? Ce qui est cause à la t'es, alors tu appliquer hymne national, ini dans le sort. Pour le fond, te donner comme on abusso. Voilà. Voilà, monsieur Focas, pour quel est maintenant debout congolais. Merci. Ils ont connoté, la, ça a quelle connotation? Oui, effectivement, Ndenge Ndekwalubi a abordé en gros dans le contexte actuel, et proche il y a l'élection, mais plutôt on a raison on a approche historique pour que enfin tu comprendrais ma méandre nini et ça là qui était bas à la hymne nationale et puis bah pesa yango combo ya debout congolais. Il faut comprendre que tout ça qui na situation moko ya colonialisme oyo wapi bapaya bazalaki ba kolombo ka Congo et que ba congolais bango moko bazalaki lokola ba esclave ba umbu ya batu wana il fallait ba salela bango ko salela bango misala ba travaux forcés et puis traitement ezalaki malamu te ko beta bango ba fimbu ko kata bango maboko donc une façon ya ko maltraiter alors maltraitance wana ezwa kingonga nango ikokaki conscience moko etelemaki kati na baike ya mboka oyo babengi elite wana tango ese soulevaki ezali vent moko esufaki na kati na Afrique alors epesaki nzela na ba oya biso pe bazwa gu wana pour que enfin to accéder na indépendance oyo ezalaki koluka ko créer rupture entre pratique wana ya ba colon na liberté oyo batet bazela ki nango posa nde epai wapi mokano ezwamaki keto senga indépendance tangu basengi indépendance tokokende kuna na histoire mulai te parce que toujours le la debout congolais ezali parmi les symbolismes oyo wapi ekolo nyoso ezalaka nango hymne national ezali symbolique. Symbolique, c'est-à-dire que en son sein, vous trouvez une pensée, une idée, un projet de société, un chant patriotique, un chant révolutionnaire, un chant de détermination. Tango basali yango, balingi koyebisa ba congolais ya tango wana. Que parce que mituna biso engumba maki, parce que tozalaki na kati ya menace, ya souffrance, ya exploitation. Sikoyo ebongi biso moko ba congolais totelema, c'est-à-dire position ya kotelema elingi kolobake mettons-nous au travail parce que mutu asala rate musala sokaza ya kolala asala rate musala sokaza ya kovanda nous mettons debout pour que tozwa destiné ya mboka na biso cette fois-ci c'est nous qui travaillons nous n'allons plus attendre que batu mususu basa ya biso biso nde ba congolais totelema poto sala musala. Donc il faut qu'on retenir yango que ce qui balobaki position il y a debout c'est pour justifier qu'un homme qui est prêt
à se batailler, un homme qui est prêt à travailler pour créer la richesse, pour s'autodéterminer. Yango omoni babengaki ba congolais nyonso oyo yangonga wana pe biso ba tutozali kolanda parce que ezali contextualisé à tout moment que tozala ya kotelema pour qu'enfin totonga ekolo na biso na makasi na biso na mayele na biso na vision na biso na bwanya na biso. Voilà tout okuma, on va décortiquer l'hymne national uni par l'essor et dans l'effort pour l'indépendance. Ils allaient maloba, est-ce que les Congolais sont réellement unis? Tous ils allaient kaka maloba à Pamba, Eric Kefoul. Ndeko Doudou, où est allée l'unité? Tout ça va hypocrite. Aujourd'hui, il n'y a pas l'unité. Pour preuve, tout le monde va monter au commun de l'opposition. Vous êtes en Gabango, base à la Mutumoko, tous dans la Mutumoko, tout qui est dans ma Ponami, mais au Rwanda, moi, ma divergence, ils a ébélé. Alors moi je me pose la question nuit et jour que sort aux a réservé na biso to yebi yango très bien eza nini le lo oyo ya un pouvoir oyo salu plus de 17 ans eza na biso awa le lo oyo nuit et jour toujours réclamé que non de part na ngo et osalima kana nzela oyo ya ponami. Alors ceux qui na lo bagali kambu na chaka toujours debout comme le bosso parce que je me pose la question et je me dis chaque fois yango ils ont le coup la socle na biso ce que l'ingosa li kambu se référer na hymne national se référer na debout congolais tanga yango okoye ba nini oyo elobi pe olimbola yango. Vous imaginez le oyo donc na makonami majorité quelle que soit ma divergence, quelle que soit autre que l'on a bango koloba, ma poni muta bango bo, moko. Est-ce que yon moni ko fin ça entre bango? Yon moni ko, a te posa ko inana. Mais tel a so ke nanga mon abiso na position awa. Yon ko mona ke pona te pona o abiso moutou, o ko mona ba réseaux sociaux, ko fin ane bandi, ba comparaison, e yete, yende muta zaboye, yende muta zaboye. Ce n'est pas logique. On doit commencer à être uni pour te défendre son autre zan ango oyo. On doit commencer à être un pour te gagne liboso. Sont déjà divisés, tu gagnes te. Nga toujours debout congolais, je prends ça dans la circonstance actuelle, il y a élection. Je suis de l'opposition, je dis tout haut et fort. Pour toi que Nelly Bosso, tu as gagné l'élection, tu as référé à l'hymne national. Unis dans le sort et pour le fort. Sans anini, c'est gagner les élections. Et unis les anini, tous ensemble, tu as mis ça moutou, moi encore, pour toi gagner un niveau doudou. N'a pas eu de la ça va un peu, la passer en revue, n'a pas fait, ou est-ce que tu as un peu, comme on dit, actualisé. Nous avons basé plus sur l'élection et dans l'ingi, bah, tu vas comprendre, ma ponami, na hymne national, na répéter encore, opposition, botan à hymne national. Notre sort, c'est quoi? Domination et un système robot. Hein? Il dit pourquoi pour te défendre avec tous à pouvoir. Tous à moi, quand, surtout à Moutobo, manque. Surtout qu'il y a un mot de manière dispersée. Je vous assure que non, on va passer encore dans ma TV à Doudou. Ah, il y a une tricherie. Ah, Kouna, ma lèvre va voir. Ah, tes machines à voter. Ah, machine du boy. Mais pour ça, les matins, il faudrait maintenant tout démontrer dans mon entier que non, on est unis pour défendre une cause noble et juste. Ok, c'est bon. Très bien. Allez, nous allons évoluer. Monsieur Focas Koukelemena, unis par l'effort et dans l'effort pour l'indépendance. Ça, c'est juste quand on a ma commande. Où les Congolais sont réellement unis pour développer ensemble leur pays. Tout le monde est là, pour l'avantage de l'Aïmoko. Oui, na ko répondre à l'approche ya des côtés, mais na ko linga na zongi sango na contexte nango. Unité ou bazo sala nango allusion na katia hymne national ezali l'unité nationale. Donc sur le plan ya bomoko ya mboka d'abord parce que vous comprendrez avec moi que unité amboka ezali koluka nini. Unité amboka ezali koluka ete Congo na biso sur le plan territorial ezala entité moko mutu moko te moyini moko te kongole moko te azwa initiative ya kokabola yango. Tozala uni comme un seul homme, comme un peuple oyo babengi que ba oyo basangani na eteni moko ya mabele bazali na héritage na bango ensemble bazali na vision na bango moko ba définir ba objectif et puis bazali ko reconnaître le kola bana ya tata moko un ancêtre commun bazali ko reconnaître que patrimoine o bazanango ezali patrimoine na bango nyoso c'est-à-dire
unité nationale veut que nous puissions nous considérer, nous, Congolais, comme un peuple et le Congo soit une nation. C'est un bon souhait, c'est ce que nous voulons en réalité, mais ici pour dire que si c'est une réalité ou pas réalité, j'aimerais le dire avec des pincettes. Dans une approche sociologique, le Congo est une nation qui aspire. Non, c'est un État qui aspire à se faire une nation. Parce comment, que. Comment ça et pourquoi? C'est-à-dire que une nation, c'est un construit. Il faut le construire par la volonté de pouvoir effectivement demeurer ensemble par un peuple qui croit que le Congo c'est un patrimoine à nous tous et à personne seulement lui, mais à nous tous, un bien pour nous tous. D'abord, de deux, nous devons avoir une idée de ce que nous allons faire avec notre Congo. De trois, nous devons nous reconnaître, nous identifier comme étant le fils des ancêtres communs. Parce que ici, dans le contexte du Congo, si nous devons parler de nos ancêtres communs, nous parlerons de nos pères de l'indépendance, ceux qui nous ont réunis. C'est-à-dire, vous avez les gens qui ont combattu comme les Kimbangu, les Kipanvilta, okay. Vous avez tous ces gens-là. Ce sont eux-là qui nous ont donné l'esprit de construire une nation et aussi de pouvoir croire que nous pouvons nous faire un peuple. Bien que à l'époque, vous savez, il y avait des royaumes Congo, il y avait des royaumes, empire, mais à un moment donné, nous nous sommes dit, pas question, nous devons nous réunir pour faire le bloc, que nous ayons unité. Voilà. Oui, vous êtes historien, c'est bien, politologue, c'est bien. En un mot, sommes-nous réellement unis? Sur le plan sociologique, nous sommes unis, parce que moi, Congolais d'ici, qui est de Kwilu, je vous dis que j'ai le même sentiment d'appartenir au Congo que celui qui est dans le Kivu que je ne connais pas. Vous sentez que il y a deux fois qui nous arrive que oh bakati ndambwa kiteni amabele na kaemba, même si c'est de l'Équateur, il s'élève mais akomana nkunate ayebi pe kaemba te. Donc vous sentez que c'est cette unité là qu'on sollicite, mais il faut faire la différence entre la bipolarisation politique qui est une autre affaire, qui n'est pas vraiment réellement une division d'une nation, mais une pratique politique nécessaire pour qu'enfin qu'il y ait des dirigeants et des dirigés de l'autre côté. Mais l'esprit de l'union nationale, on recherche l'unité nationale en termes de pouvoir construire une nation et avoir un peuple. Voilà, c'est ça. Voilà, nous donnons la parole à notre DG, Jean-Jacques Mamba. Bonjour DG, Jean-Jacques Mamba. Citoyen congolais. Alors, monsieur Jean-Jacques Mamba, on a évité tout ce que na hymne national na biso debout congolais. Nous avons décortiqué en haut. Maloba yo koma miawa. Et ça dit maloba oyo. Et ko salemaka pour mingeza conjuguer na future. To et ko salema. Et dans la présent to na future. Alors, déjà debout congolais. Congolais ça déjà debout. Congolais, debout quand les bandelas, debout congolais. Bon, on a évité ceux qui congolais allaient débouter, mais il y a quand même des signes. Donc on a dit ça ma bandeko yo depuis 2015, tout le bas depuis 2014, bandeko yo se bandimi qu'au bravé l'ordre public en respectant mambo dans la constitution, c'est-à-dire liberté à manifestation. Pour nous rester que la constitution est à la respecter. Dans ce qui est comme un niveau où les gens sont tellement attachés à notre texte, ça veut dire que les lots nous tendons vraiment vers la consolidation au Tobinaka d'un état de droit où nous tenions sans être d'accord que seuls les textes et qui ont été partagés et toujours le baba texte est allé unanimement accepté, dont notamment la constitution. Donc pour l'évolution est allé debout, et ça parce qu'aujourd'hui, même mon amour à Mouké Nanzela, partout, sur Otouni et Maramoua politique, a Webissa Maramoua article 220. C'est l'article le plus populaire Nakatiamboka Oyo. Neza Batbaebi droite, Eza Batba Tangate, article en Abatbaebi Ango. Donc dès lors que vous avez dans le subconscient collectif cette idée forte que de dire
que nous devons respecter une loi, mais c'est le début, il y a construction, effectivement, il y a état de droit, la consolidation en nation. Mais maintenant, le chemin à parcourir, les Amwa Moulaï, parce qu'il y a un Rolanda, un Nabitumba politique, tout le monde a la tendance, il y a un peu de temps, 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 donc il faut construire un état, une nation, ça veut dire que la prédominance, il y a une ethnie, il y a un peuple moussou sur d'autres thés, et que seul le droit est le vrai droit, et qui permettre de vivre ensemble dans la paix et dans l'unité. Donc, c'est les Amoulaï, mais bon, mais, voilà. Mais il était en gros, ils allaient à Solo, nous, ils sont unis par les sorts et dans l'effort pour l'indépendance. Baza vraiment unis, les Congolais, baza unis. C'est sur le moyen unité, les Congolais, ma casse, c'est lorsque vous êtes à l'étranger. Sur un étranger, au moment où les Congolais ont mis tout dans la bicolote. Il suffit qu'à Kababengi, aux Azet, les Bikazo, le Badingala, rares sont des personnes qui tissent des liens à l'étranger, ils ont mis tout dans la bicolote. Et là, on a tous un homme à Kassi Awa, parce que nous avons remarqué que depuis démocratisation de l'institution, surtout au gouvernement, il y a 2006, M. Kabila, il y a Matata Ponyo, nous avions plus ou moins 70 à 75% de Swahilifones. Peut-être moins inquiet que partout, il y a une danse ou un peuple, une tendance linguistique, et qu'il n'y a pas dominé la tendance Moussoussou. Donc, il y a un homme tous là qui une désunion apparente. Parce que vous avez d'un côté un peuple qui, entre guillemets, dirige, et les autres, baso subir dictat ou injustice, il y a bande de corona. Mais dans le fond, ceux qui vraiment tous un dirigeant mon responsable et que équilibre géopolitique et salami, ce qui peut te pousser décentralisation, moussika, la fédéralisme, et que tout le monde se trouve bien chez lui, parce que là, monsieur Zalaka, la quête s'il y a péréquation, ma province, monsieur Zalaka, très pauvre, ma province, monsieur Zali, très riche. Donc, ce qui est esprit, il y a unité, il y a pour créer, quitter, il y a pour pousser et développer. Bon, au moins, on a qu'à terme, d'ici 5 à 10 ans, il y a moins de rosa à dissouter. Donc, uni, c'est un souhait, mais je pense que nous sommes toujours kende, et rosa la bisou bien pour tout comme un objectif. Voilà. Très bien. Alors, maman a dit coucou d'Orcas, Mboti. Mboti. Il fallait pégar maman ça là pour équilibrer, on peut ça là. Alors, toujours le gars de Gamboa. Nous continuons l'émission. Hymne national Nabisso, toujours décortiqué. En gros, malgré ça, on a quatre hymnes nationaux Nabisso. Et ça, les magatotés, debout congolais. Est-ce que vous allez unis? Est-ce que Namalobaka et Bandiliwana? Selon vous, maman Dorcas a dit coco. Na heure moko, na wabanatang wakala. Tant que vous allez koyem bango, vous allez na fierté moko. Vous allez sentir ma kilan zote zo ningana. L'heure wana, ils allaient. Ensemble, les continuer et mettre en pratique ma communion sur les autres. Bon, ça faisait longtemps que tu as souhaité tant que tu changeais l'hymne national, tant que tu as la Zaïroise. Alors, donc, rupture, on est à la qui, mais tant que tu as zongé l'yango, et zongé la tang, moko yama bepenza, oyo hymne national, nabiso incompatibilité, tu as comprendre rien, n'y a ce zo salamakunan deng, tu as si koyo yango te penza. Donc, pour l'anga hymne national, actuellement, ça n'a rien à voir avec hymne, oyo kroza la hymne yamboka, oyo sa la fierté abattu. Donc, tu as mettre en pratique, te, n'y a ce zo salamona, debout, congolais, debout. Congolais, debout? Aza debout, si koyo nakanda. Donc, oui, Congolais, quoi, comme il débout, nous sommes unis. Donc, unité, on est Zalaki, tribalisme est Zalaki, binonyo sur la plupart, Bokolo Balingala. Je me rappelle même que Nazaro doit punir Belen internat parce que Nazaro, le Baming Lingala, Bazaro, pour privilégier Lingala, t'es français, mais binonyo sur Bokolo Balingala. Mais si quoi est commis, soyez le cas en dégain de papa Mamba ou Tukoloba. Ceux qui ont mis soyez l'été, ils ont le quoi à Sésame. Au portonné au fungamate et au kangama parce que il faut oye ba swahili olo ba swahili na ba militaire et l'autre pesa ngakanda ok ok no kota nani ni moko militaire a télé mena na porte d'entrée a ko lobiso na swahili na lobine papa oka ki sangonga azam swahili o nga na lobaka swahili vraiment zolo bano comme si c'était normal alors que te yebi ke lingala ezali monoko e wuta ki na ba militaire
Arlobalanga ta lingala pour français dans moi passe na mboka na biso non carrément swahili comme si mutinyo sa objet ba swahili pour Kabila za swahili phone matata mponyo za ki swahili phone donc nyoso bazana bokozi swahili phone. Je me rappelle même à un certain moment ministre moko azala ki à intérieur azamu tashaba papa na kekuna donc na fandi na salle d'attente non na za ki choqué mais n'est pas ki bango parce que ngana kangara monote so li kamuza ndi ngana lubi swahili makasi batunyo so fond la porte bo swahili akota bo swahili oh nyoso ba fandi swahili ngabi mais faut arrêter cette histoire batunyo so bazala balobara swahili abate. Donc, tout le balingal est bien français. Vous avez une notion de bureau, une salle d'accueil, disons, une salle d'attente et tout. Il faut, et le quoi, il faut éduquer les sous-sous bien. Pas bander la pénale zéro pour éduquer les Congolais bien, bien. Pour que le balingal, ok, bureau, les alliés, ma soit il faut une accueil, une réception, zala na langue, moko. Je pense français, oh, oui, il y a et non d'emblée comme ça que nous boire soit. Attendez, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Voilà. Merci, Maman Dikoko. Rick Folo, dressons nos fronts longtemps courbés. Et il y a un hymne national. Le hymne national, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a l'autorité. Mais il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Et même la population, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. On a que sur l'andelier malobot est-ce que tu commis azaté de son front longtemps courbé. Oui, Ndeko Doudou n'a pas intervenu sans pourtant n'a passé en revue un peu quelques interventions en plateau. Pour l'engage, je peux s'atteler sur le fait qu'on n'est pas uni. Tout le monde on a des langages, je ne pense pas que non, l'unité doit se manifester partout quand on est congolais. Ce n'est pas au niveau extérieur, tout est uni et intérieurement, tout est unité. Unité aujourd'hui n'existe pas. Pourquoi? Tout le monde a ceux qui carburent et mati, ce n'est pas l'affaire de la population congolaise. Ils ont battu Oyo. Pour qu'on a battu Bazamie, ça leur va. Oyo et Simbate, Ndé Baroloba. Et en plus, c'est un minimum de gens au Baroloba. Je veux dire, unité, ça n'existe plus. Même pas sur le plan tribal, mais sur le plan seulement la vie sociale entre nous, les Congolais, ça n'existe plus. L'unité nationale, ils ont la raté. Parce qu'apparemment, tu es on a bu sauté, tu es tu puis tu es tu es puis tu es et par conséquent, on n'a pas l'unité. Pour nous, l'Italie, dressons nos fronts, l'OTAN courbé. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut se dire, parce que j'ai toujours dit, pour nous, l'hymne national, je prends ça dans les circonstances actuelles. Les lots, dans les circonstances, il n'y a pays. Aujourd'hui, on peut se dire tout haut et fort, Congolais, le lot, aboyi dictat. Congolais, le lot, aboyi nyamu nyamu. Le lot Congolais, aligné, autobengi, état de droit. Car l'état de droit résume tout. Le plus grand projet soutenu à Moutouza, état de droit. Pour ça, c'est l'état de droit, Moutamoutou, à quoi il est revenu. Moutamoutou, à quoi non, moi, en Angaï, ceux qui ont commis tel âge, ont été pris en charge par l'état. Ceux qui n'ont pas béli, l'état a été en charge pour la maladie. Bref, état de droit, ils ont résumé tout comme projet et soutien à Moutou. Alors aujourd'hui, je peux dire tout effort que Congolais, Aza, sous ce courbeté, a eu quand même que défendre, bah, doit aller seulement une impulsion, ils ont sous ma casse, enfin, que comme Matina Souka. Merci. Focus Koukelemena. Dressons nos fronts longtemps courbés. Oui, nous avons abordé l'optique où il faut définir que nous sommes debout, dans les gens qui ont été avec. Un esprit, il y a conscience, Oyo Ezali, il y a ba Congolais, ba se réveiller d'une manière, il y a participation politique. Ozo sentir que côté kuna vraiment ba Congolais, ba zali debout. Mais si koyo debout et soukika kanandenge ya éveil ya conscience te, mais debout Ezali position moko Oyo ba exiger yango pour que mutu a travaillé. Donc nous devons nous mettre debout parce que nous devenons conscients et nous devons aussi prendre compte. Il y a position à Bissouan debout pour travailler et créer la richesse. Ça, c'est une manche qui manque encore. Nous sommes conscients, mais nous devons nous mettre maintenant. Mais l'hymne national, la Moni Babi, est pour les bons, prenons le plus bel élan. Est-ce que l'élan est aujourd'hui et l'élan malamou? Non, là, c'est l'élan pour développer le pays. Est-ce que nous ne savons pas encore parce que nous sommes debout, conscients maintenant, mais nous ne travaillons pas encore assez pour produire la richesse pour développer le Congo. C'est un problème, il est vrai, mais il faut le savoir que le problème, ce n'est pas l'hymne national qui ment, mais plutôt c'est la pratique de ce que l'hymne national a souhaité que nous fassions qui pose problème. Donc, Oyo, hymne national, Ezali, vision Mobimba.
y a élite, il y a congolais, oyo abimisaki pour qu'enfin ils aient le projet des sociétés nabiso au même moment. Donc ils ont les problèmes, ils ont un niveau à hymne national, mais ils ont les problèmes, ils ont un niveau à bisoba acteur politique pour que tout matérialiser projet wana. Voilà. Donc ceux qui ils ont les codémérés lettre morte, ils ont les faute il y a contenu, ils ont les faute il y a bisoba acteur. Nazali ko kende lomba ko démontrer unité, nazali na kati ya ko souligner yango que unité oyo baza ko lobela na hymne national, ils ont yeah. C'est des bonnes guerres hein, c'est des bonnes guerres, des bonnes guerres au niveau voilà. De la politique. Ça, vous ne pouvez pas parce que avec cette approche démocratique aussi il est difficile que vous puissiez parler un seul langage ayant le non c'est difficile, il faudrait que ton dimamo muke ba diversité wana qui n'a rien à voir avec l'unité nationale. Okay. Diversité politique en termes de pensée, des idées, ça aussi c'est consacré par la démocratie, ce n'est pas forcément beaucoup comme sango opposé à l'unité nationale. Okay. Très bien. Et puis nani ngana atterrir moi muke, je m'excuse na kinyote moi tant muke na lingi kolobela likambo oyo ndeko alobeli ya balangue, ya langue ya Swahili. Nous devons être fiers d'avoir 4 langues nationales. Mais le problème que nous devons fustiger ici, c'est quoi? C'est quand on prend une langue pour que ba pratiquer nango discrimination. Là, c'est ça pose problème. Mais le fait y a mutalo ba lingala, le fait mutalo ba Swahili, aloba kikongo, ça ce n'est pas diabolique. Donc on est congolais, on est fiers de nos langues, nous devons l'être parce que le français ne nous appartient pas, mais c'est une langue qui nous a été imposée pour que l'administration n'ait pas des ouvrages qu'on sort, donc nous devons nous adapter avec cette langue-là. Mais je crois que nous devons, la langue c'est un héritage et c'est un instrument pour le développement d'un État. Donc nous devons d'ailleurs faire un effort pour que tu privilégies la langue nabiso. La langue nabiso, mais à la mort, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont le pouvoir. Non, non, wana isamo, yangone na zo boya, yangone na zo boya, mena zo ningake, biso to chape balang na biso en avant-plan, et to utilisant le col à instrument ya discrimination te. Très bien, alors, Jacques Mamba, dressons nos fronts longtemps courbés, et pour les bons prenons le plus bel élan. Et l'obami, et yemba maka, et sale maka, to yko sale maka. Bon, oui, il y a beta moi certaine ali gambo toujours le baya langue. Votre micro. Oui, que langue ezali outil moko puissant na organisation topé des organisations ya ba état. Soko landi loko la pays loko la Belgique lelo oza la population mo babengi ba flamand baza majoritaire. Bazoko lo ba langue na bango, oza pe na ba wallon baza lo ba français. Mais lelo soko kei na Flandre, eza pays moko. Sur le lobby français, pour servir à tel moment. C'est-à-dire que circuler à mon rébima, ok, dans la commune, il y a des flamands, aux abelges, sur le lobby, nous avons un bangote, veut dire, bah, c'est laurien, c'est-à-dire, bah, il y a un baopété. Donc, la langue, c'est un élément puissant, et ceux qui, bah, tout, bah, contrôler, l'icamouana malamouté, c'est-à-dire, ceux qui, te vendent ici, n'y a pas de tout, c'est-à-dire, que le tata bon moko, maman bon moko, et colo bon moko, ce total, il y a un mot, n'a pené pénété, n'a pas mis colo, qu'il y a, ceux qui, bah, dirigeant, n'a pas mis les mingités, et qu'on m'appelle élément à séparation. Ouais. Avoir la fierté d'une langue, c'est une chose. Bobo Sanaté, par exemple, que na Rwanda, Kagame, la Mukil Natongo, il a décidé que le Rwanda va devenir un pays anglophone. Ça modifie directement vécu à Batou, sociologie à Batou, paix, orientation à pays. Car il y a une langue. Deuxièmement, on est très sérieux. Nous devons être fiers de toutes nos langues, mais nous ne pouvons pas permettre que, parce qu'il y a une prédominance dans le gouvernement, il y a origine linguistique, Moko, que langue n'est comme à a une langue imposée. Officieuse ou imposée na baninga. Pour la Rolandisa, Onyon Soezobeta Manakat ya debout congolais, Ndeko Moutoua Komara Makamola Azalaka inspiré. Mais je pense que Azalaka dans un rêve, et je pense que chacun de nous, y compris Bissot Tozana Plateau, Naba Oba Rolanda Bissot Nandaku, nous devons tous participer de la construction de ce rêve-là. Ça veut dire que comme il rêve, on a réalité. Et malheureusement, nous avons 2 générations après la démocratie, il y a Bateau et Obazu pouvoir, Nanzela Moko, où ils allient vraiment démocratique. Ça veut dire que sur le bio, l'Anda origine, à pouvoir Otozana Molelo, c'est un pouvoir qui est issu de la belligérance. Espérons que 3e cycle, Otozo Nanda élection, et qu'on y que ça, l'émergence, il y a Bateau et Obazapé la souci, Wana, que nous retrouvions cette fierté, cette dignité, que Bafron, la bûcheuse, elle est courbée, et tellement, pour que l'élo même soit ok n'a passeport non ambassade bah et bizarre t'es yosa congolais reçoit visite qu'elle est dans l'amour parce qu'on nous respecte parce qu'aujourd'hui même une ambassade locale Angola soit ok type passeport l'élo au reçoit la 3 semaines bah bon au pays ça yo bah le biosangui prise en charge tout ça donc même des petits pays amicaux le rôle à Gabon font marcher les congolais parce que nous sommes prêts à l'exil partout
Romona na bamboga o ezali improbable o ngana yo te bi ba capitale na yangote soko ke ile le Romona ba congolais ba Kazakhstan ba bamboga wana nyoso ba congolais ba c'est dit que soyeka nzela moko ya viser fumwami so so pembe soyeka nzela moko ya viser fumwami o congolais e bi kazo bi mala frontière soko che soko ezali penzela ma colombele ki nécessite la raison est kinshasa mais soko nani nde responsable pose za mboka na biso nyoso. Mais Nagoyebisaye le Romon, mon frère, nous sommes une population, Ezali n'a plus de 85% de jeunes. C'est-à-dire que ton absence mortalité, sur les jeunes années, tu es la rabana, tu es entre 25 et 35 ans, tu es 80% ou 85%. Bon, tu es en train badamiste, changeur, tu es cabine, et tu es en train de se projeter dans la vie. Mais on peut parler labeur. Mais labeur, il faut conditionner à labeur et salama. Ça veut dire, vous créez cadre et moko, vous avez une entreprise, vous avez une misala. A tes amis, vous avez une misala, vous avez une misala, vous avez une misala, vous avez une construire un projet de vie. Et là, vous avez une misala qui est une perspective, il y a vie et zate. Vous avez une misala qui est une misala. Donc, si vous êtes responsable, vous avez une misala, vous avez une misala, vous avez une. Nous allons créer les conditions pour que vous avez une misala qui est une misala. Mais les lots, vous voyez que la société est athée. Donc, tout le monde se voit comme il y a des débrouillardises. Merci beaucoup, Nama Ponami. Nandenge, Nanga, Sali, commande le bulletin de vote dans le mois de septembre. Nandenga, calendrier. Oui. A commandé déjà le bulletin de vote, ouais. Les machines à voter. Les machines. Oui, donc commande ça dans le mois de septembre à Sali. Est-ce que tu peux respecter le loi électorale? Doudou, il y a un papier qui va commander. Il y a commandé 35 000 machines à voter. Mm. Bon, au moins une machine, voilà. Reste à le baguette en émission, Moko. Et zo bangi ça. Na kena la mboka Moko et a la paille congila. Ndeko. Na tel misi moutouka, na moni ba na mora miki, bazo soit na pemen ya moutouka. Bazo ta la pont arrière. Au moins une pont. Bazo ba na mora mboka na awaka à la bande de doigts. Mora le bien, ke ba oza mona mwasi. Oh, mona mobali, bazo discuter. Parce que zoa sikoyo, et a la bakoua moussous même calculatrice à pamba ba mona te. Bon, yo kamati et l'eau, no cheli bango, moussous a remonté le rôle à Kindoki, moussous a remonté en sora simi machine wana kolenga. C'est-à-dire, tawana nyonso wana, bat baro voter combien? Bon, ce qui mboule beti, ce qui machine est koti maï, parce que bat centre moussous bato les atteint de konangaï. Machine est kokota maï, il faut bande redéplacer machine, bat balanda, bat ba comprenna na mounoura mboka, nana ke bamboka est belé na katia. Ya Congo, à la voie bisayo, likambwana, il faut beaucoup de temps. Ok. Merci. Donc peut-être na kosi di sawana to za na 36 millions de votés et de votants et ça très possible na machine to atteindre même pas 10 millions parce qu'ils a ouvert de 6h à 17h et aux ala passer. OK. Alors monsieur Foucault a déjà parlé, Eric Folo, dressons nos fronts, c'est toujours normal. Hein? C'est normal. Oui, aussi, longtemps courbé et pour les bons prenons le plus bel élan. Exige. Dans la paix, paix en Ouzali. Au peuple ardent, parler la bête. La bête en haut. Pe okoko tunate papa. Pe okoko tunate. Nazonga na makambo ya unité hein. Tango to koloba unité, c'est vrai. Unité ndenge to lobi tango ezalaka. Mais unité zalité pona nini? Tokolala tokolamuka boyi kuna na est, vient à Goma na Lubero na wapi na Isiro, babomi 80 personnes, ba katikati ba ngomitu. Kuna te Théo qui s'en vaguement, souvent, la diaspora, la lakate, la lingi na bolingwa mboka, internet, leur nyoso, awa de fois, ba kolobe langote. Ceux qui, médias ou moussous, yaza na bolingwa mboka, et l'obite, ba moussous, ba kolobe langote, ba kolobe kate, soit au compte na bago. Ceux qui diaspora, tindi biso sango na Théo qui ango. Mozota la, le kana babar nyoso, ba sale libiso en auteur, mikolo, zenga ma keto, tongo midi pokwa. On dit mate ke mboka, on a boto koufe la, 80 personnes, ba kati bango mitou, ba ebite nena kati bango mitou. Pourquoi on a une unité zalité? Pourtant, on a une unité papa. Tant que mon avez une guerre à Kamanyo, la avez une guerre à Kamanyo, vous avez une guerre tout ça. Vous avez une guerre à Salami. Mais vous avez une mawa, vous avez une matoi, vous avez une salami, vous avez une salami, vous avez une salami. Mais vous avez une salami, musique, vous avez une publicité, commentaire, concert, vous avez une salami, comme si de rien n'était, on dirait que vous avez une salami, vous avez tranquille, vous avez bien, vous avez bien, vous avez bien, vous avez bien, nzoka. Kuna na este problème ezali. Boko kakuna ke o kota mbandaka baleniere moko kune dindi 140 personnes babungi comme si de rien n'était. Unité ngwezana wapi?
unité à temps que t'es allé sous souté unité en exalité mouton mouton commis salango l'osaku mouton mouton commis ya yemoko ce qu'on les savants ou l'été non tolingi n'est pas naté tolingi mboka n'a monsieur zala ce qui attend mouton moko to qui pour le commandant au gouvernement pour n'attendre au bisou tozo cola n'attendre unité avec namboko n'attendre au père avec namboko pour la commune et bébé zaki problème. Mais si vous avez un problème, vous avez un problème. Non. Congolais, vous avez un problème. Congolais, vous avez un problème. Si vous avez un problème, vous avez un problème. 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 Donc, bébé, ça ne dit plus rien. Vous avez un problème. Ça ne dit plus rien. Vous avez un problème. Donc, amour, patriotisme, vous avez un problème. En même temps, on a profité pour conclure, parce qu'on est tour à table. Si vous avez un hymne national, mais déjà ils allaient prendre la tina pour n'embourger bisso Congo le plan pratique papa ils ont la tina n'importe quoi lobby ventre affamé n'a point d'oreille ma cambo tellement primordial ils a que tous angiango pour nous multiplier que nous mieux à télé le souci national nationale tant on est qu'aux alatés. Pourquoi? Parce que yo moko zana nzala olali malamu te yo papa ibite ke moi sina bana bakolia nini leur nino ke no lexa le souci na ba hymne national. Hymne national les al souci ndengo tozalaki nango te tozalaki nango hymne national la classe hein. Donc l'interrogation mususu hymne national ba bengio le bosoku na oyembango. Mais si kule na ba professeur, na ba élève, na ba parent, na nango zana tant ya ko lexa le souci na hymne national. Mwe komi nini bana nanga bakolia nini. Moto zana hôpital na ko futa ndenge nini. Na nango otinde la nga bongo na futa. Papa makama hymne national pour le moment, ils ont moi passé. Merci beaucoup. Tout le canal nous conditionne et zoama pour ce que tu es basse. Que n'est ni tous ont sa civisme, tous ont sa macama hymne national. Moutonio se faille bango pour te mettre à côté en pratique. Pour ce que tu vas bien, on te retient l'eau ou éviter en pratique. Ils a pas focus. Quel est maintenant? Nous allons conclure hein, parce que nous sommes déjà arrivé à la fin. En une minute, rapidement. Na limite le bas rapidement que l'hymne national est allé œuvre à congolais. Donc, Bokanyon sont des balobas en français qui va élite nango basali lumière et la société. Ils allaient fouiller à élite religieuse Nabiso. Ils allaient fouiller à élite artistique Nabiso. Ils allaient fouiller à élite politique Nabiso. Batoubassa l'hymne national Oyo, c'est Pierre Boka qui est un religieux et Papa Lutumba qui est encore en vie. Sur l'impulsion et la classe politique Nabiso, le mouvement Kassavoubou et consort. Au même moment, vous devez le savoir que dans la période Rwanda, toujours pour l'indépendance, l'élite Nabiso est là qui très manifeste, il y a qui misato. Donc, élite religieuse, vous avez le cardinal Malou et consort, vous avez les artistes et vous avez les politiciens. Parce que il n'y avait pas une élite économique. Il y a pas homme d'affaires. Au niveau de la science, on n'avait pas une élite scientifique très poussé parce que nous avons un universitaire qui a mal au maté. Nous avons un nombre de réduits. Alors, pour conclure. Alors, pour nous, le Bani, le Kola Ezali hymne national, c'est un esprit, c'est un projet de société. C'est pourquoi nous avons un projet de société. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que nous bâtirons notre pays plus beau qu'avant. Or, prendre ces serments-là, c'est-à-dire que quand nous avons un projet de parce que la question qu'on a posée, pourquoi ils ont un futur? Ils allaient dans le futur parce que tant que Bazak aux décisions pour eux, Bazalaki n'a présent à Bango et que le fait qu'il y a pour bâtir Rwanda et qu'il y a présent à Bango, il fallait que ça soit dans le futur. Donc, même le contexte Rwanda, Bissot Batozo, au côté en scène aujourd'hui, nous sommes dans notre présent. L'action de bâtir, nous allons bâtir dès au moment où nous entrons en musique pour reconstruire. Génération présente et future. Voilà. Merci. Alors, oui, Bogododo.